Alors Marion, tu es un peu marraine finalement de cette édition du concours de la BD scolaire sur une thématique olympique. Qu'est-ce que tu as pu partager comme moment fort avec la gagnante du concours aujourd'hui? Alors, on ne s'est pas beaucoup vu, hein. On s'est vu, on s'est croisé il y a 5 minutes là. Moi je l'avais un peu découverte au travers de sa planche déjà, voilà, donc j'étais bien contente de mettre un visage sur la BD dont je me souvenais très bien parce que je sais que j'avais voté pour. Donc voilà. Alors justement, c'est intéressant de croiser les deux activités, sport, BD. Quelle est ta BD préférée, ta bande dessinée préférée? Je lis pas énormément de BD. Vraiment, voilà. Donc quand j'ai participé à la délibération, quand je fais partie de ce jury, j'ai découvert un peu cet univers-là, j'ai rencontré des gens qui travaillent dans la BD, donc c'était très enrichissant, mais je lis pas énormément de BD, moi. Donc pourquoi tu disais que tu as voté pour elle? Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce choix? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Je me souviens de sa planche, les dessins étaient tout simples, c'était en noir et blanc. Très clair. Encore une fois, je ne suis pas une experte, hein. Vraiment, c'était vraiment au feeling, quoi, hein. Voilà, le dessin très clair. Et puis, je me souviens des dialogues. J'avais bien aimé l'histoire, en fait, ces deux petits garçons qui parlent. Il y en a un qui doit faire une espèce d'exposé, je crois, sur l'olympisme. Et donc, il lui demande à son copain, bah, donne-moi des idées sur l'olympisme. Alors, le copain, il donne plein d'idées. Puis, à la fin, la chute, en fait, c'est... celui qui doit faire son exposé sur l'olympisme, il regarde le copain et puis lui dit « Mais comment ça se fait que tu connaisses autant de choses sur l'olympisme? T'as pas l'air bien sportif pourtant. » Voilà, donc l'autre il regarde comme ça en faisant la grimace. Donc j'avais bien aimé, c'était très marrant, c'était très bien. Merci. Alors justement, au début, j'avais pas du tout d'inspiration pour faire la BD. Au début, j'avais pas du tout d'idée, pas du tout d'inspiration et j'ai cherché des définitions dans le dictionnaire. Tout simplement, et de là j'ai pu faire ma BD. J'ai bien aimé Aniel, qui a gagné là, il n'y a pas longtemps. Et quel regard tu portes sur le team Pasuki JO, le team de l'ensemble des athlètes qui sont soutenus par la tête de part comme Ryan Busson? Ils sont bons. Un mot pour les encourager parce qu'il y en a qui sont d'autres qui vont avoir d'autres. Certains ont déjà été qualifiés, ont déjà passé les épreuves de qualification, d'autres vont avoir des épreuves décisives. Qu'est-ce que tu as à leur dire? L'important c'est de participer. Mais courage quand même.